Bonjour à tous et toutes. Alors, aujourd'hui, je vous propose un premier rendez-vous pour une petite séance, les Kids Médites. Donc, une petite séance de méditation avec vos enfants. Et je ne suis pas toute seule. J'ai amené quelqu'un avec moi. Pour celles et ceux qui ont écouter ou lu, parce qu'ils ont peut-être le livre chez eux, l'histoire que voici, Sam et Watson préfèrent la paix. Je rappelle que l'histoire est tout à fait disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller l'écouter avant. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, j'ai notre ami Watson avec nous. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et Watson, mon petit chat, sera avec nous à chaque séance des Kids Médites. Tu vas leur expliquer un petit peu? Oui, coucou les amis, est-ce que vous connaissez mon histoire? Je pense que oui, je suis le petit chat qui vous aide. Vous sentir tout calme, tout tranquille, tout serein. Vous vous souvenez dans l'histoire, j'avais parlé d'un voyage. Eh bien, avec Barba, même, oui, c'est moi, on va vous faire voyager. On va faire un grand voyage à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur de nous, vous allez voir. Et comme je suis un chat, et bien parfois ça va être un voyage qu'on voit bouger, et puis parfois ça va être un voyage où on sera tout tranquille, tout calme. Ok? Et puis il faut pas oublier que comme je suis un chat, moi j'aime bien la nature, donc parfois on fera des petites choses qui feront penser à la nature. Mais surtout, voilà, comme Watson vous l'a dit, il va vous emmener dans un voyage avec mon aide pour explorer plein de choses qui seront peut-être magiques, peut-être que vous connaissez déjà, ou peut-être pas, mais plein de choses qui vont vous aider pour être tout cool, tout calme, ou bien si vous êtes super contente de quelque chose. Comment est-ce qu'on ça se passe chez toi, Watson? Oh, moi, quand je suis super content, je fais des gros bonds. J'arrête pas de sauter et de courir dans tous les sens quand je suis content. Mais, j'ai aussi appris, parce que parfois mes maîtres se fâchaient sur moi, je faisais des bêtises, et j'ai appris, grâce à un grand voyage, à être content sans faire de bêtises. Donc voilà, Watson va vous proposer un voyage qui va vous permettre d'apprendre à exprimer par exemple votre joie sans courir et sans sauter super fort partout. Ou bien quoi, Watson? Oh, ben, par exemple, moi quand je suis fâchée, eh bien il m'arrive d'avoir envie de griffer, et de faire des gros cris. Mais, depuis que j'ai fait ce voyage, et je vais vous apprendre pareil, eh bien ça va beaucoup mieux quand je suis en colère. Parce que je repense à tout ce que j'ai appris pendant mon voyage et je peux souffler sur ma colère par exemple. Cool ça! Eh bien voilà, donc je vous ai présenté notre ami Watson, que vous aviez déjà découvert dans notre histoire ici. Et maintenant, vous avez vu Watson en vrai. Et puis, bah, on va vous proposer peut-être un premier exercice, Watson. Oui. Alors, moi, comme je suis un chat, je vais vous proposer un petit exercice aujourd'hui pour bien travailler avec le corps. Oui, mais tu oublies quelque chose, Watson. Oh. Oh oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours commencer notre petite séance, les Kids Médites, avec un rituel. Alors un rituel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va toujours faire
La même chose au début et à la fin. Oui, c'est qui le montre? Oui, c'est toi. D'accord. Alors, je vous disais, avec Watson, chaque séance des Kids Medit, nous allons faire le même petit rituel. Je vous montre ça. Watson, tu restes bien là. On va faire clic, clac, clic, clac, clic. Je vous remontre une fois et vous essayez de le faire en même temps que moi. C'est assez facile. Clic, clac, clic, clac, clic. Vous me faites ça? Clic, clac, clic, clac, clic. Et maintenant, Watson, tu vas nous expliquer ce qu'on va faire. Oui. Eh bien, comme je suis un chat, que j'aime bien un petit peu la gymnastique, on va se lever et on va faire des petits mouvements avec notre corps. Parce que moi, avant de faire tout le reste, j'ai besoin de faire un petit peu d'étirement. Mais c'est toi qui vas montrer vers moi-même. D'accord. Allez, debout tout le monde. Alors Watson, après avoir fait notre petit rituel, qu'est-ce que nous allons faire? Tu peux réexpliquer? Oui, on va aller dire bonjour au ciel pour s'étirer bien fort parce que moi j'aime bien ça. Et puis on va aller gratter la terre, faire un gros dos, on va aller jouer avec notre corps. Ça fait trop du bien, vous allez voir. Mais c'est toi qui montres, hein? Oui, ça va, c'est moi qui montre. Tu m'assistes si je me trompe? Bon. Allez. Alors, on va commencer par mettre nos pieds un petit peu écartés. Alors, pas plus que nos épaules. On les écarte. Voilà. Nos pieds, ils sont alignés avec nos épaules et notre bassin. On peut, si on veut, se balancer un petit peu pour voir si on est bien dans la bonne position, si on tient bien sur ses deux pieds. Voilà. Et puis, Watson nous a dit, on va aller dire bonjour au ciel pour bien s'étirer et puis gratter la terre parce que les chats, ils aiment bien ça et apparemment, ça fait du bien même pour nous. On est prêt? Alors, on va bien respirer en faisant ça. Quand on va lever les bras vers le ciel, on va faire une grande inspiration comme ça. Et quand on descendra vers la terre, on soufflera tout ça. Je vous montre. Et puis maintenant, je vais remonter. Je regarde le ciel. Et je redescends en soufflant. Et on touche la terre comme le chat. Et on remonte en prenant un bon bol d'air. Attention, cette fois-ci, on va se relever en faisant le gros dos du chat, tout doucement. Eh bien, Watson, t'as raison, ça fait vraiment du bien. Mais, moi maintenant, je me sens tout endormie. Oh oui, mais on va faire venir la pluie. Oh ouais, bonne idée. Alors regardez bien les amis. Nous allons faire une petite pluie sur notre corps avec nos doigts. Comme ça, tout doucement. On fait une petite pluie sur la tête. La petite pluie sur les épaules.
sur le ventre. On peut faire aller la petite pluie sur les bras. Faire aller la petite pluie sur les fesses, les cuisses. On fait aller la petite pluie sur les jambes, les pieds, devant, derrière. Et on va se dire au revoir en faisant notre petit rituel, n'est-ce pas, Watson? Vous êtes prêts? On va refaire un petit clic, clac, clic, clac, clic. À une prochaine! Salut les amis!